L'indice principal était un talus visible sur une longueur de 250 mètres, qui barrait le promontoire rocheux situé à l'extrémité du plateau de Jastre. Mais, autrefois, les remparts n'étaient pas visibles car ils disparaissaient sous les éboulis et la végétation. Les érudits du XIXe siècle évoquaient un c'est-à-dire un site fortifié très ancien, et les promeneurs de l'époque ramassaient sur le site des tessons de poterie, des fragments métalliques et des pièces de monnaie. Le premier sondage archéologique a été effectué en 1962 par un préhistorien d'Aubenas, Henri Saumade. On parle alors d'une enceinte romaine. Et le grand mur de paysans qui traverse le promontoire devient, dans l'imagination de certains, un rempart médiéval flanqué d'un donjon. Ce dernier n'étant rien d'autre, en fait, qu'un tas de pierres, un clapas, provenant de l'épièrement des champs. Le site attire même un archéologue anglais connu, Hogg, qui publie en 1969 un plan approximatif du rempart qu'il date de l'époque romaine. Le théâtre de l'enquête est donc ce plateau de jastres qui domine l'Ardèche par une falaise haute de 130 à 190 mètres face aux Cévennes. Deux sites sont implantés à un kilomètre l'un de l'autre, à chaque extrémité de la falaise. Au sud... C'est le camp dit Camp de César, avec son rempart arasé en pierre sèche, long de 950 mètres, et au nord, le site fortifié de Jastrenor, qui fait l'objet de ce commentaire. À quelle époque ces remparts ont-ils été construits Quelles sont leurs caractéristiques Quelles populations ont-ils abrité Y a-t-il un rapport entre les deux camps Voilà quelques-unes des questions auxquelles ont cherché à répondre les enquêteurs. A l'origine, en 1973, c'est une mission de prospection de l'Université de Nancy qui s'est transformée, un peu plus tard, en une équipe de fouilles associée au CNRS dans le cadre d'un programme de recherche et agréée par le ministère de la Culture. Les travaux placés sous ma direction ont duré sur le terrain une vingtaine d'années jusqu'en 1993, avec une campagne d'été et souvent une campagne d'automne, mobilisant entre 20 et 40 fouilleurs. Les personnes intéressées pourront consulter au musée d'Alba la publication scientifique des fouilles parue en 2006 dans la collection Gallia Romana de l'Université de Nancy. Les fouilles ont nécessité de gros travaux de dégagement effectués avec des engins mécaniques ou à la main selon les circonstances. Trois dispositifs de défense ont été construits successivement sur le promontoire de Jasson-Nord. Le premier, en grande partie disparu, date de la fin du second siècle avant Jésus-Christ, époque où le sud-est de la Gaule passe sous le contrôle romain. C'est un mur protohistorique classique dans la tradition gauloise méridionale de l'époque, avec sa construction en pierre sèche. Il est large de 3,50 m, sans tours et muni d'une porte frontale. Le deuxième rempart protégeant un espace intérieur plus vaste, a été construit quelques décennies plus tard, vers 80 avant Jésus-Christ. Il est long de 230 mètres et il est constitué de sept courtines larges de 3,50 mètres et de six tours pleines. Comme le premier rempart construit à Jasrenor quelques décennies plus tôt, il a l'apparence d'un mur protohistorique, avec des parements faits de gros blocs non taillés enfermant un blocage de pierres informe. Mais la grande originalité de ce deuxième rempart tient à l'emploi d'un mortier de chaux et à l'existence d'une porte frontale défendue par un mur de protection de forme arrondie, comme la clavicula des camps militaires romains. Ce rempart, bassonné au mortier, technique empruntée à la construction romaine, est le monument le plus ancien, me semble-t-il, de ce type en France. Le troisième rempart est un remaniement spectaculaire de la fortification daté du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, époque de la guerre des Gaules, sans que l'on sache si cette construction est antérieure, contemporaine ou immédiatement postérieure à cet événement qui a duré de 58 à 51 avant notre ère. Ce nouveau rempart est accolé au précédent sur presque toute la longueur de ce dernier. Il est représenté en noir sur le plan que vous avez sous les yeux. L'épaississement ainsi créé porte à 6 mètres la largeur totale des courtines. De nouvelles tours, creuses et alternativement rondes et rectangulaires dans la partie centrale du plateau face aux arrivants sont construites sur les ruines des précédentes. À l'origine, couvertes d'une toiture de tuiles, elle culminait à plus de 12 mètres. Aujourd'hui, ce rempart, dégagé des éboulis qui le recouvraient, est encore conservé sur une hauteur allant de 3 à presque 6 mètres. Mais pour combien de temps encore La porte et sa clavicula ont été conservées lors de la construction de ce troisième rempart, et des dizaines d'objets métalliques ayant appartenu au dernier système de porte détruit par un incendie ont été découverts. La nouvelle muraille se poursuivait sur le versant oriental du promontoire jusqu'à l'extrémité de ce dernier, ce qui portait sa longueur totale à 700 mètres environ. Mais les vestiges sont peu visibles ou ont disparu. Ce troisième rempart utilise aussi le mortier, mais l'étude architecturale de la construction a révélé des processus inédits où l'emploi sélectif du mortier détermine une sorte de montage en caisson. Moins spectaculaire, car très arasé, des vestiges d'habitats ont été également mis au jour, en arrière des remparts, révélant entre autres un ensemble structuré par rapport à des rues et des ruelles, selon un plan orthogonal. Le relevé en plan du secteur le mieux étudié révèle un schéma d'urbanisation embryonnaire, mais préconçu. Ces vestiges d'habitats ne sont plus visibles, car ils ont été remblayés à la fin des fouilles. Jastre est dans l'ère culturelle méditerranéenne où la tradition du rempart en pierre est ancienne. Mais les recherches ont révélé le caractère totalement inédit des deux derniers remparts accolés, avec ce qu'ils gardent de la tradition protohistorique locale et ce qu'ils empruntent aux techniques romaines, dans une synthèse qui échappe à toute comparaison, et qui constitue de ce fait un cas unique. Les nombreuses monnaies trouvées sur le site reflètent également cette ambiance culturelle méditerranéenne au Ier siècle avant Jésus-Christ, avec des monnaies émises à Nîmes et à Marseille principalement. Mais les relations commerciales se faisaient également avec la moyenne vallée du Rhône, et, ce qui est original pour un site du Midi, avec le monde celtique de la Gaule indépendante, représenté par des pièces en majorité arvernes. Ces monuments avaient une fonction militaire évidente et une fonction politique de premier ordre au 1er siècle avant Jésus-Christ. Leur caractère monumental est un moyen d'afficher l'identité et la puissance de ceux qui les ont édifiés. Quelle était donc l'identité des bâtisseurs Était-ce cette grande famille de notables élviens, les Ardéchois de l'Antiquité allié fidèle de Rome, dont nous parle César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Le père, Caburus, est le plus ancien Gaulois connu, avoir reçu la citoyenneté romaine, c'était vers 80 avant Jésus-Christ. L'un de ses deux fils, Prochilus, était l'interprète de César pendant la guerre des Gaules, tandis que l'autre, Domnotorus, resté au pays, était le chef des Elviens. Il est mort au combat en 52, en défendant son territoire face à une incursion des Gabales, un peuple du Massif central, allié de Versaint-Chétorix et donc ennemi de César. La forteresse de Jastre a-t-elle été construite par cette famille très romanisée A-t-elle été témoin de ces événements En l'absence de toute documentation écrite sur la question, cela ne peut et ne doit rester qu'une hypothèse. En ce qui concerne la fonction politique, nous n'avons aucune preuve que Jastre Nord malgré l'importance de ses murailles, était le chef-lieu de l'Elvie au Ier siècle avant Jésus-Christ. L'archéologie nous a appris seulement que la forteresse de Jasre-Nord a été abandonnée vers moins 20 ou vers moins 10 au début du règne d'Auguste, le fondateur de l'Empire romain, à l'époque où, justement, se développe la ville romaine d'Alba.